Bonjour Wadah, merci d'avoir donné cet espace pour m'exprimer. Je suis très excitée, émue. Parce que, comme la plupart des Algériens, on a été nourris avec l'amour de cette patrie. Tout ce qui se passe est historique. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je pense que c'est ça qui a fait sortir notre jeunesse dans les rues pour dire on veut un changement radical, on veut le départ de ce système qui ne nous convient pas. Moi, j'ai rien contre le président. Larbi Chafer, il est malade et je pense qu'il n'est même pas au courant qu'il s'est présenté aux élections. C'est grave ce qui se passe en Algérie. Bien sûr, on vit des moments historiques et on est en train de marcher, on est en train de revendiquer. De vivre dans un état de droit, on a le droit de vivre dans la dignité, on a le droit d'être libre, de pouvoir nous exprimer. Et moi, je peux parler autant que citoyenne et artiste. J'ai beaucoup d'espoir dans cette jeunesse. Il y a des gens compétents en Algérie, il faut leur donner la possibilité de montrer qu'ils ont ces compétences. La Hibère, on les a vus, on les a entendus, les images ont fait le tour du monde. Je pense qu'il est temps de laisser sa place à cette jeunesse qui est pleine d'espoir et de maturité. Un dernier mot? Vive l'Algérie, tout simplement.